الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous décris la scène, l'endroit, la Mecque, l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, on va faire un zoom, on va serrer le plomb jusqu'à avoir une vue sur la Kaaba. À cette époque-là, la Kaaba était entourée de 360 idoles. Les habitants de la Mecque rendaient culte à ces idoles-là. Ils sacrifiaient leurs bêtes pour ces idoles, ils se livraient à des pratiques païennes, la divination, la magie et d'autres pratiques qui trahissent un esprit légendaire incompatible avec la raison. Non loin de ces idoles, non loin de ces associateurs, il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui récitait le Coran et qui priait. Il est là, au milieu de son peuple, ouvert à tout dialogue. Il adressait à son peuple un discours de cœur et de raison. Oui, de raison. Il leur disait « قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ » Apportez vos arguments si vous êtes véridiques, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2. Apportez la preuve que ce que vous faites est conforme à la vérité. Et il leur disait « قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ » Voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah ?« أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ » Faites-moi voir ce qu'ils ont créé sur terre. Amlahum shirkun fis samawat? Ont-ils une quelconque contribution dans les cieux? Ituni bi kitabin min qabli hadha? Apportez-moi un livre, un écrit saint antérieur à celui-là. Aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin? Ou des vestiges d'une science si vous êtes véridiques comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Dans Sourate Al-Ahqaf, la Sourate 46 et le verset 4. Maintenant, on va faire un zoom en arrière pour introduire dans le plan la cité et les alentours. À la périphérie de la Mecque et sur les chemins qui conduisent à la cité, les chefs de la Mecque, Uqba ibn Abi Mu'ayt, Nadr ibn al-Harith, Abu Jahl, ils ont installé leurs antennes, si vous voulez, leurs journalistes. J'utilise les mots d'aujourd'hui pour vous inciter à réfléchir. Hein? Leur mission, c'est quoi? C'est mettre les visiteurs qui venaient de l'extérieur, les mettre en garde contre le danger que constitue Mohammed, l'intérieur de la cité, est sous contrôle. Les musulmans sont persécutés, sont séquestrés, ils sont bâillonnés. Comme j'ai dit, la mission de ces médias-là, hein, installés par les associateurs de Quraysh, étaient la désinformation, la diabolisation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était, si vous voulez, le chahut, créer un chahut médiatique. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ » وَقَالَ les négateurs ont dit « Ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et couvrez-le de vos chahuts afin d'avoir le dessus. » Un homme arriva. Tufayl ibn Amr al-Dawsi. Bon, l'histoire, il se trouve dans les livres de la Sira, dans les livres des Marazi d'Ibn Ishaq, la Sira d'Ibn Hisham, les Bidaya al-Nihaya, Rawd al-Unuf, bref, bon, tous les livres, presque tous les livres qui parlent de la vie du prophète, il parle de cette histoire-là. Tufayl ibn Amr al-Dawsi est le chef influent de la tribu de Daws qui se trouve non loin de la Mecque. Et dès qu'il arriva, il fut intercepté par ces médias-là. « Oh, Tufayl ibn Amr, bienvenue à la cité. Mais attention, il y a ici un homme dangereux. Il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas lui parler.
et il commençait à exercer sur Tufayl ibn Amr al-Dawsi, les mécréants de Quraysh commençaient à exercer sur Tufayl ibn Amr al-Dawsi une censure idéologique. Il commencera à le mettre en garde contre le danger que constitue Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Tufayl ibn Amr, il a dit, ils avaient mis une telle insistance à me prévenir contre Mohammed que j'ai décidé de ne pas l'écouter, de ne pas lui adresser la parole. À tel point, il a dit, que j'ai introduit le coton dans mes oreilles. Je me suis bouché les oreilles avec du coton pour ne pas l'écouter. Tufayl ibn Amr Dawsi s'approcha de la Kaaba, l'air méfiant. Il ne voulait surtout pas écouter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne voulait pas lui parler. Et dès qu'il s'approcha de lui, lui-même il raconte, il dit, il plut à Allah de me faire entendre quelques-unes de ses paroles. Et il a dit, quand je les ai entendues, j'ai estimé que ce sont des belles paroles. Puis là, Tufayl ibn Amr Dawsi commença à réfléchir. L'influence des médias de Quraysh commençait à se dissiper. Il a dit, moi, commençait à se parler, à se dire, je suis l'homme influent de la tribu de Daos, je suis un homme avisé, je sais distinguer le bon du mauvais, le beau du laid. Bon, pourquoi je suis un grand poète, si, pourquoi ne pas écouter ce qu'il dit, Mohammed? Si ce qu'il dit, eh bien, je l'accepte, si ce qu'il dit est laid, ben, je le rejette, tout simplement. Et alors, il enleva le coton de ses oreilles, il déboucha ses oreilles, et il est allé voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il alla voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, voilà, ton peuple, il m'a dit ceci, cela, à ton sujet. Et bon, il a dit, expose-moi ton affaire. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a récité quelques versets du Coran, lui a parlé de l'islam, et Tufayl ibn Amr, t'as aussi, a fini par embrasser l'islam. Beaucoup d'entre nous étaient loin de l'islam. Nous étions presque dans la même situation que celle de Tufayl ibn Amr al-Dawsi. Nous avions, nous aussi, mis le coton dans nos oreilles pour ne pas écouter la vérité. Nous étions dans cette même situation. Et puis, alhamdoulilah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fait des efforts, nous avons cherché la vérité et nous avons enlevé le coton de nos oreilles et nous avons écouté la vérité et nous avons embrassé la foi par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que certains, quand ils se sont ouverts à l'islam, à la grandeur de l'islam, à la diversité de l'islam, ils ont remis le coton dans leurs oreilles. Ça, c'est un grave problème. Ils ont remis le finet de coton dans leurs oreilles. Ils ont été récupérés par des mouvements, par des sectes, par des partis, par des gourous même, qui leur imposaient une seule voie. Ils leur disaient, ils les mettaient sous tutelle. Ils exerçaient sur eux une censure idéologique. Non, il leur disait, il ne faut pas écouter celui-là, c'est un ash'arite. Non, il ne faut pas écouter l'autre, c'est un wahhabite. Et on souffle sur les braises anciennes. On souffle sur les braises des anciens conflits comme ceux qui ont opposé les ash'arites aux hanbalites et qu'on perpétue aujourd'hui sous forme de conflits entre ash'ara et wahhabites. Et on souffle sur ces braises-là et on exerce ces censures et on divise notre religion. L'islam, c'est quoi? C'est le Coran, la Sunna et ce patrimoine que nous ont légué les savants, que ce soit les savants de l'école hanbalite ou shafi'ite ou malikite ou hanafite ou de l'école ash'arite. C'est parce que c'est par l'intermédiaire de ce patrimoine-là qu'on comprend les textes. D'accord? Quand on exerce la censure, quand on réduit la personne à une légume, quand on le met sous tutelle, qu'il ne faut que suivre ce cheikh, ben on le prive de tout le savoir qu'ont légué les autres savants. On le prive d'un grand bien. Et on fait, ce qui est encore grave, c'est qu'on divise notre patrimoine. Et en divisant notre patrimoine religieux, on divise
notre religion même. Or Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » Ne soyez pas du nombre des associateurs. « مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا » De ceux qui ont divisé leur religion et se sont comportés en secte. « مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا » كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Chaque faction partisane se complaisant dans sa particularité. Chaque groupe, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 30, la sourate Ar-Rum, et le verset 30-31. Chaque groupe se complaît dans sa particularité. Chaque groupe prétend qu'il est dans le vrai, qu'il est dans la vérité, et les autres sont des groupes égarés. Or, il ne faut pas suivre cette voie. Il est donc nécessaire de nous réconcilier avec notre patrimoine et de nous réconcilier entre nous. Et une dernière phrase pour finir, c'est qu'il ne faut jamais se dépouiller de son esprit critique. Et il faut rester ouvert. Voilà. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.